Une journée de repos et voilà que les coureurs du Tour de France s'attaquaient aujourd'hui au deuxième gros morceau de l'épreuve avec la première étape pyrénéenne, 166 km entre Perpignan et Aix-les-Thermes. Victoire du Colombien Cardenas, abandon du Français Christophe Moreau. François Simon, lui, est toujours en jaune. Une étape marquée par une chute très sérieuse d'un coureur de l'équipe Rabobank, Christelle Bertrand et Bruno Livertoux. Voilà donc la principale différence entre Ulrich et Armstrong. Dernière ascension, l'Allemand est en plein effort, l'Américain, lui, est comme sur un vélo climatisé. Le duel tant attendu, tant annoncé, prend corps dans les Pyrénées. Les deux favoris se testent, s'observent, pas très longtemps en fait. Armstrong met fin au suspense, il en est presque arrogant de facilité, de puissance. On pourrait l'oublier, la route est encore en pente. Ulrich termine quatrième derrière Armstrong. L'Allemand est un peu vexé, mais il ne dit pas encore son dernier mot. Je voulais attaquer plus tôt, j'aurais pu savoir lequel des deux était le meilleur. Lance m'a pris 30 secondes, je vais encore essayer demain. Christophe Moreau, lui, ne sera pas là demain. Quatrième l'année dernière, le Français jette l'éponge et son vélo 60 km après le départ. Le Français souffre de problèmes pulmonaires. Les routes sinueuses et étroites en ont fait chuter plus d'un. Ici, c'est une fracture de la clavicule. Un peu plus tôt, De Groot heurte un rocher de la tête, tombe dans le coma. Il souffre d'un grave traumatisme au visage. De son côté, François Simon limite les dégâts. Il perd 4 minutes sur Armstrong. Il lui en reste encore 9 d'avance. Son maillot jaune est en sursis. Une journée encore. Mais le tout premier de la journée à franchir la ligne s'appelle Félix Cardenas. Il est colombien. C'est sa première victoire et elle a bien failli passer inaperçue.